Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal qui conclut cette fin de mois d'octobre avec un carton plein pour notre équipe senior. On en parlera juste après. Salut Fred. Salut Morgane. Salut Youssef. Salut Morgane. Le président était fatigué ce soir, c'est toi qui remplaces. Voilà, alors, hein, effectivement. Ça fait plaisir de te voir depuis le temps qu'on on devait t'avoir. Il a fallu aménager le studio pour lui. Hein. T'es obligé de l'asseoir. Sinon je suis ridicule à côté. Hein, on a trouvé une solution. Bon, on commence tout de suite avec les résultats du week-end et puis après on va en profiter puisqu'en deuxième partie de ce journal on va recevoir le buteur qui a mis ce doublé cet après-midi en Coupe de France, Aurel Daval, qui ça y est, a retrouvé son statut de buteur au club. Oui, bah très peu de rencontres ce week-end, enfin très peu de rencontres jouées entre l'équipe R2 U15, le match a été reporté, les féminines U18 remportent leur match sur forfait, donc en fait il y a eu 3 matchs de jouer effectivement, donc avec une victoire des U19 en déplacement dans les Ardennes à Tourne-Rhinvez par 3-0. En senior, défaite de nos seniors UFOLEP 2-1 face à l'amicale portugaise. Et notre équipe Fagnon accède, comme l'année passée, au 7e tour de la Coupe de France en s'imposant cet après-midi 2-0 face au SA Cézanne. C'est le changement d'éclairage qui perturbe. J'ai oublié ma crème solaire à indice 50. Il faudrait qu'on y pense. Bon, on commence par les victoires des autres. Les U19, je sais que tu as eu Fred Ménissier au téléphone. Tu as un petit message de sa part. Oui. Donc match sérieux dans le jeu avec une mise en application tactique et technique appliquée, expliquant le score de 3-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps plus dans la gestion, le score permettant de faire tourner l'effectif et surtout éviter les prises de risque. Un score final justifié qui permet à notre équipe de recoller au peloton de tête de ce championnat de R1. Donc 2 buts de Moukouche et 1 but du Papa Joris. Ah, ça y est, c'est le surnom, hein, le Papa Joris. Hein. Petit clin d'œil à Pierre qui est derrière la caméra. T'as d'autres résumés ? Non, c'est tout. Non ? On va passer maintenant. Avec le nombre de matchs qu'on a eu, oui. On va passer maintenant à cette qualification au 7e tour de Coupe de France avec un match, on va dire, assez plat, hein, cet après-midi. Une équipe qui est venue pour défendre et jouer en contre. Encore fallait-il avoir des contres pour réussir à marquer un but. Mais victoire 2-0, Youssef. Une victoire qui fait du bien et qui conclut une série de 5 matchs gagnés pour l'équipe 1. C'est vrai, effectivement. Le but principal de ce match aujourd'hui, c'était la qualification. On l'a obtenu, ce qui nous fait accéder au 7e tour de la Coupe de France. Donc ce n'est pas rien, puisqu'on a les clubs de Ligue 2 qui rentrent en lice. Et puis, donc un groupe, une bonne ambiance dans le groupe, hein, motivé. Donc ça s'avère gagnant, puisque ça fait, comme tu nous le dis, Morgane, 5 matchs consécutifs qu'on remporte. Donc beau travail des coachs et puis beau travail aussi de tous les joueurs du groupe National 3, parce que avec Hervé on est au quotidien sur le terrain en regardant les entraînements, les sent impliqués, motivés, donc on récolte le fruit du travail des coachs le dimanche. Donc félicitations et puis bravo encore pour cette belle qualification. À savoir que 5 victoires d'affilée, ça permet justement de créer quelque chose dans un groupe, et c'est ce qui est en train de se passer dans l'équipe, puisqu'on voit que les joueurs se libèrent. On en parlera avec Aurel tout à l'heure, puisque il a eu un début de saison, on va dire, assez difficile devant le but. Ça y est, il marque, encore un doublé, ça fait 3 week-ends de suite, si je me trompe pas, hein, 4 week-ends de suite où il marque. Donc effectivement, ça crée quelque chose dans un groupe, d'enchaîner des victoires comme ça. Bah c'est sûr que le championnat national 3, c'est un championnat qui est quand même relativement difficile, hein. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde, on va dire. Donc c'est vrai que 5 victoires d'affilée, forcément, bah ça crée une dynamique et ça commence à être intéressant même pour eux. Psychologiquement, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et forcément, bah ça va donner un petit peu plus d'allant pour le déplacement à Nancy. Giovanni m'a parlé tout à l'heure après le match en me disant que il y avait eu un petit déclic après le match de Raon, ce qui avait fait que du coup dans le vestiaire et puis sur le terrain, ça les avait un petit peu libérés. Il y a une libération, mais bon, nous au sein du club, on sait qu'on a quand même de la qualité dans le groupe, hein, puisque on peut s'apercevoir que il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à ce niveau-là. Donc on a confiance et les joueurs aussi ont confiance en leur qualité.
On était attendu à Raon-l'Étape, donc on a créé la surprise pour l'extérieur, mais vis-à-vis du groupe, nous on savait qu'on avait la possibilité de faire de très bons résultats face à de bonnes équipes. Et puis depuis, ben on reste sur ces 5 victoires consécutives. L'ambiance aujourd'hui est différente, c'est sûr, du début d'année. Donc, on le voit un petit à petit, prépare leur cri de guerre à la fin. Maintenant, on a même le petit djembé. voilà, on a mis des choses en place, hein, et donc continuons ainsi. On a un gros mois de novembre qui nous attend, avec des grosses confrontations face à des clubs professionnels, hein, donc réserve pro. Il y a Nancy, Strasbourg et puis l'Estac. Et un match de Coupe de France, hein, le 7e tour. Mais on est motivé pour les rencontrer avec, comme je le répète encore, un super travail de Momo et puis de Jean-Louis sur le terrain et une application parfaite des joueurs. Donc il n'y a rien à dire. Félicitations encore. Super. On va sortir de ce résumé de match, on en parlera après avec Aurel. Toi Youssef, t'es arrivé au club l'année dernière, si je me trompe pas, non, il y a 2 ans? Non, ça fait 4 ans, on va dire, ouais. Mais oui, mais non, mais ton mais l'implication L'implication avec le comité directeur, c'est vrai, c'est depuis l'année dernière. Donc je suis c'est vrai. Il a raison quand même, Fred. Voilà. Donc j'en suis content parce que je travaille avec des gens super motivés et puis compétents, donc ça fait plaisir, hein, on apprend des choses tous les jours, et c'est vrai que moi je suis un passionné du foot, donc j'aime bien m'investir, et autour de personnes qui sont aussi passionnées que moi, donc je prends un réel plaisir à pouvoir assister aux matchs et aux organisations de différentes manifestations du club. Ça se voit parce qu'on en a beaucoup parlé dans le journal l'année dernière, la JND, hein, la Journée Nationale des Débutants, où tu étais la pièce maîtresse qui a géré un petit peu tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses, toutes les idées que tu as dans la tête, tu essaies de les mettre en place au club. Oui, on essaye d'apporter un petit peu de sang neuf, même si les anciens ont de superbes idées. Mais on a un président, et puis je tenais aussi à le dire, parce que l'implication de notre président et puis les efforts qu'il fait, donc je tenais à le remercier personnellement, hein, parce que c'est magnifique d'avoir des gens aussi passionnés et qui essayent de faire avancer les choses assez rapidement. Donc quand on discute avec le président et puis qu'on lui propose de nouvelles choses, si elles sont assez intéressantes, il accepte assez rapidement, bien sûr en réfléchissant, hein, mais il nous laisse vite carte blanche, et je tenais à le remercier personnellement, on va dire. Heureusement qu'il n'est pas dans le studio ce soir, ça se trouve il aurait pleuré. Il aurait poussé tout le monde pour venir. Bon, toi tu m'as chambré, hein, parce que j'ai dit qu'il est arrivé l'année dernière. Effectivement, au club, gentil, mais pas au club, il y était d'avant, mais l'implication qui propose au club depuis l'année dernière. Donc maintenant, à toi de parler un petit peu de Youssef aussi. Ah, Youssef, c'est quelqu'un franchement que j'ai connu il y a 2 ans. Forcément. Moi aussi, mais il était encore pas en réunion avec nous. C'est vrai qu'on c'était une personne assez discrète les 2 premières années parce qu'on se voyait très peu. Discrète, et... tu peux te lever s'il te plaît. Pas 2m04. Pas physiquement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a appris à le connaître déjà à la JND parce qu'on était impliqué dans la JND. Donc déjà on a appris à se connaître, et puis par le biais qu'on suive aussi pas mal l'équipe une. Donc c'est vrai que ça permet aussi nouer des liens, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un c'est une personne qui est intéressante et qui peut apporter beaucoup d'idées de par sa jeunesse et de par son Comment dirais-je, je cherche mes mots là. Investissement, voilà, son investissement. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est passionné, et c'est vrai que c'est des gens comme ça qu'il nous faut pour faire avancer le club. À savoir que tu suis beaucoup la N3, mais t'es très proche aussi des joueurs. Oui, très proche, parce que je veux dire, on a quelques affinités après, hein, notamment, j'essaye de.
d'avoir quelques affinités avec le maximum de personnes, hein, parce que le but du jeu, c'est pas de se restreindre à quelques joueurs, donc c'est un groupe. Mais j'essaye de faire le parallèle, et notamment avec Hervé, hein, donc au sein du groupe, de faire le parallèle avec les joueurs, l'entraîneur et puis le président, donc pour que tout se passe bien et qu'on essaye de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc la mission aujourd'hui, c'est un peu ça. Et puis on essaye d'avoir pas mal de moyens pour pouvoir les satisfaire, satisfaire les entraîneurs, satisfaire le club. Avec Hervé, on se bat tous les jours pour trouver de nouvelles choses, de mettre en place d'avoir différentes possibilités pour essayer de ramener des choses nouvelles. Voilà. Donc, mais c'est sûr que c'est attachant, et puis c'est un groupe attachant parce que quand on voit même les nouveaux qui sont arrivés, ils ont fédéré très rapidement et ils sont intégrés dans la vie de groupe. Donc, au travers des entraînements et au travers des matchs, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Donc, il faut continuer comme ça, puisque je rappelle que quand même l'objectif principal de la Nationale 3 aujourd'hui, c'est le maintien. Pour le moment, on est très bien parti et espérons que cela continue sur la deuxième partie de saison. Voilà. Comme tu l'as dit, hein, on va commencer à monter la montagne là sur le mois de novembre avec les réserves pro. Ouais. T'es aussi très investi pour les enfants. Quels sont aussi les objectifs du club pour les enfants ? Jérémy nous en a parlé, mais il y a beaucoup de choses de prévues et à venir dans les projets pour les jeunes du club. C'est vrai, on a cette chance d'avoir Jérémy qui s'occupe de tout ce qui est école de foot et formation, pré-formation avec les jeunes. Et puis un club ou une association, sans malheureusement les jeunes, c'est très difficile de pouvoir voir l'avenir. Donc le but du jeu, c'est de les atteindre, de les faire atteindre un certain niveau pour qu'ils puissent continuer dans le groupe senior. Donc on a des bons éducateurs au club, hein, qui peuvent se permettre de mettre en place ce que, suite à des réunions techniques avec Jérémy, qu'ils ont mensuellement pour pouvoir avancer et répondre aux objectifs. Hein. Donc là-dessus, je laisserai le soin à Jérémy de pouvoir s'exprimer correctement sur sa mission, mais on n'a pas de souci particulier avec le travail effectué au quotidien avec toute l'école de foot du club. Voilà. Il est déjà venu, hein. Il voulait pas au départ, puis au final il a dit qu'il avait bien aimé, donc on le reverra sûrement, voilà. T'inquiète pas. Bon, je pense que c'est pas mal pour cette première partie. Merci à toi, hein, Youssef. Merci d'être, à vous, d'être venu. Merci aussi à votre travail, puisque ça permet aussi de créer des liens entre les gens du bureau, du comité, et puis les joueurs, donc c'est plaisant de voir que vous vous investissez aussi énormément. Donc c'est important de vous le dire, votre travail est très apprécié. Bravo aussi à vous. Ce qui est maintenant appréciable, merci, mais ce qui est maintenant appréciable, c'est que c'est les joueurs qui se proposent pour venir dans le journal. Voilà. Et on aura la preuve juste après cette première partie avec Aurélien Daval, double buteur aujourd'hui. Et puis depuis 4 matchs, hein, il me l'a dit tout à l'heure, 4 matchs, 4 buts, enfin 5, 6, 8, 7, 8. Il arrête plus, donc il claque, donc c'est une chance. C'est une chance pour nous, et c'est lui qui s'est proposé de venir en plus ce soir, donc c'est on le retrouve. Mbappé du FC. Ouais, c'est ça. On le retrouve juste après cette petite coupure. À tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie du journal. Salut Aurélien. Salut Morgane. Salut. Je sais même pas quoi. Fred. Ça commence bien. Hein, ça commence. J'ai bu. De l'Oasis, ça va, l'Oasis tropicale. Hein, tu le connais pourtant, t'es déjà venu dans le journal, c'est le lieu en fait qui te perturbe. J'ai un trou de mémoire, c'est le stress. Il est stressé, il bouge dans tous les sens. Et même ton grand-père, il est moins stressé. Maintenant, il a le survêtement en plus. Donc, on lui fait un petit clin d'œil parce que justement, avant le match, il m'a dit Balthazar, il a rechanté aujourd'hui. Ah, donc et il a chanté deux fois, on va mettre deux buts. Ah, c'est annonciateur. Et apparemment, c'est toi qui as mis les deux buts. Tu vas nous parler un petit peu du match d'aujourd'hui puis de tes buts. C'était un match assez difficile. Je pense que on n'a pas eu trop à s'inquiéter de Cézanne parce qu'ils ont pas eu beaucoup d'offensives. Mais au final, c'est plus dur de jouer contre des équipes qui sont très basses.
Et on voit que même à ce niveau-là, c'est très très dur. Même si on est hiérarchiquement supérieur à eux, ça n'a pas été facile. Et on a eu la chance d'ouvrir le score, ce qui a facilité le match. Et après, sur une erreur individuelle de leur défenseur. Mais après, bah, tout de suite, quand il y a plus d'espace, bah, moi je préfère quand il y a plus d'espace. Du coup, c'est plus simple. Dis-le pas trop quand même. Ouais, faut pas trop le dire. Mais bon, ça se voit, je pense. Et même actuellement, là, je suis sur une bonne passe. Et je rends la confiance qu'on m'a donnée. Et c'est le plus important actuellement. Justement, il y a un petit mois, c'est bizarre parce que t'as l'air plus essoufflé dans le journal que sur le terrain, même. Il y a un petit mois après le match, il m'a dit non mais Morgan, moi c'est bon, de toute façon le foot c'est fini pour moi. Nice. Je crois que je t'ai dit qu'il fallait pas penser comme ça, on en a discuté. Depuis tu plantes, ça y est, c'est reparti. Ouais, bah enfin j'avais pas dit ça comme ça, mais j'avais dit que voilà. Maintenant j'ai 26 ans, j'ai dit que pour moi le foot voilà c'est secondaire. J'ai une vie professionnelle avant tout et mais bon c'est sûr que quand il y a les buts hein, tout va. Comme il dit Cristiano, hein, le but c'est comme le ketchup. Hein. Quand ça tombe, tout arrive et voilà. Donc bon, voilà. On a un bon encore ce soir. Fred. Non mais je suis content pour Aurel parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait, qu'on a eu comme joueur, hein, là, même qu'on a eu comme joueur en CFA2 avec la 2SRC. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est attachant, qui est simple. Qui se font très bien dans un groupe, donc c'est vrai que bon, ça c'est pas un peu ça, comme le ketchup. Ouais, un peu comme le ketchup. Avec la saucisse, ça va mieux. Non, mais c'est vrai, c'est bien, et puis je suis content pour lui qui, bah, déjà d'une, qui soit revenu parmi nous, et puis en plus, s'il marque, c'est encore mieux, quoi. Donc, voilà. Ah, bah, vous savez, il est parti, là. Voilà. Comme Youssef a dit, c'est le Mbappé du FC AT. Hein? C'est prétention. On en parlait justement avec Youssef en première partie. 5 victoires d'affilée, là, sur ce mois d'octobre. C'est pas simple en plus, puisque c'est championnat, coupe. Voilà. Hein, tous les 15 jours, on change de compétition. Ça crée forcément quelque chose dans le groupe, dans le vestiaire, que ce soit à l'entraînement ou en match, Aurélien. Ah bah oui, ça se ressent tout de suite dans le vestiaire. Bon, faut savoir que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais il y a eu un moment où il a fallu se dire les choses. La caméra maintenant. C'est vrai, il y a un moment où il a fallu se dire les choses, hein, quand on commençait à voir qu'il y avait une mauvaise spirale, on a eu peur. Mais bon, l'important c'était de rebondir. Et là actuellement, quand il y a 5 victoires, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Ça se passe beaucoup mieux. Mais bon. Le plus dur, c'est d'enchaîner. 5 victoires, faut pas s'arrêter là, faut continuer. Même si, comme vous l'avez dit, le mois de novembre, il va être très dur, beaucoup de réserves. Mais bon, c'est des matchs à jouer, c'est des beaux matchs. Et bon, le plus important, c'est que... Je dis souvent bon. Parce que j'étais bon, peut-être. Non, ouais, voilà, et le plus dur, c'est d'enchaîner, comme je vous ai dit. Et le plus important sera de gagner le prochain match. Faut pas rester sur 5 victoires, faut continuer. Donc justement, enchaîner, là on sort de la Coupe de France seulement, qualification pour le 7e tour, il y a les Ligue 2 qui rentrent, mais il y a aussi les réserves pro qui arrivent en championnat le week-end prochain, c'est-à-dire Nancy, hein, tu nous en parleras juste après. Il faut tout de suite se remettre la tête au championnat, à savoir que mercredi, tirage Coupe de France, on ne sait pas contre qui on va tomber, on en parlera juste après. Nancy, on enchaîne aussi avec la réserve de Strasbourg et puis celle de l'Estac, hein, une fin d'année compliquée. Tout de suite sortir la tête de la Coupe de France pour se remettre sur le championnat. Oui, bah oui, là faut tout de suite passer au championnat, même si comme vous l'avez dit, vous l'avez dit. Ouais, il y a le tirage coupe mercredi, donc du coup on va tous avoir la tête au tirage déjà mercredi. Ensuite, va falloir se focaliser sur le match qui arrive à Nancy, qui va être un match très difficile, parce que quand on voit que leur première elle a beaucoup de mal, du coup ça doit pas être facile pour eux actuellement, mais bon, c'est à nous d'en profiter. Et après, c'est sûr qu'on va certainement avoir tous la tête au tirage. Et si on tire une Ligue 2, bah, on va avoir tous la tête à ce match-là, je pense. Parce qu'on a déjà fait, bah, moi, quand j'étais à la SSRC, on avait déjà fait un 7e tour, mais on avait tiré Fleury-Mérogis, qui n'était pas du tout un tirage très simple. Et que d'ailleurs, on avait subi pendant 120 minutes et on avait pris le but qu'à la 120e. Ah oui, il n'y avait plus. Il n'y avait plus des occasions aussi pour eux. Pas pour nous, on a eu du mal à passer le milieu de terrain. Ouais, en fin de prolongation, on aurait peut-être pu créer le hold-up, mais bon,
C'était pas facile. Ouais. C'est une belle blague. Ouais, je sais pas si on l'a entendu hein, parce que le micro était ouais. loin, mais Hermoz a dit surtout à Fleury Mérogis faire un hold-up. Mais bon. Ah, il est en forme, c'est ça. Je comprenais pas. Non, mais je comprenais pas, c'était Kim Hermoz à chaque fois quand vous parliez dans le journal. Maintenant, je sais qui c'est. Donc voilà, se remettre la tête au championnat, même si le tirage est mercredi, effectivement, c'est un point très important, Fred, je pense, dans la tête des joueurs. Bah, c'est vrai que c'est un moment charnière. C'est vrai qu'au 7e tour, tout de suite, bah, c'est les équipes de Ligue 2 qui rentrent en lice. Si on a la chance ou la malchance, après c'est à vous de le décider, mais après le tirage, c'est vrai que ça va faire forcément les joueurs réfléchir un peu sur le prochain match. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand même de se focaliser quand même sur Nancy et sur le championnat, on va dire. Moi, je vais pas faire le rôle du président, parce que le président il dit là, l'objectif numéro un, c'est quand même le maintien. Donc après, c'est vrai qu'avoir la chance de tirer une Ligue 2 comme l'année dernière, c'est vrai que c'est toujours glorifiant, ça fait parler le club, et puis même pour vous en tant que joueur, ça doit être quand même une très belle expérience. Mais c'est vrai qu'avant tout, faut garder la tête au championnat et puis essayer de ramener quelque chose de Nancy. Tu parlais justement du 7e tour à SSRC, Fleury. L'année dernière, FCAT, 7e tour, Valenciennes. On en a vaguement entendu parler tout à l'heure dans le vestiaire. Hein, c'est mitigé entre les joueurs. On a entendu parler de Sedan, on a entendu parler de Lens, hein, aller jouer à Bollard. Pourquoi pas, mais idéalement, pour toi, ce serait quoi le meilleur tirage pour le FCAT? Pour moi, ce serait d'aller au 9e tour et tirer le Stade Rennais. Et voilà, pour moi, ce serait ça le meilleur tirage. Mais bon. Hein. Mais ils sont pas là. Pour le moment, ils sont pas là. Non, ils arrivent que dans 2 tours. Bon, faut tenir. Tirage bon. Mercredi. Le meilleur tirage que ce serait. Déjà recevoir, pour moi, je pense. Après, si c'est une Ligue 2, c'est sûr que ce serait intéressant d'aller chez eux. Autant financièrement que pour nous sportivement, parce que jouer dans un grand stade, on n'aura peut-être pas la chance tous les jours. Et donc, ouais, une Ligue 2, j'ai jamais joué de Ligue 2, donc pourquoi pas. Et pourquoi pas un petit club pour aussi essayer de passer? Bah, c'est souvent piège, hein, faut faire attention. Regardez, on a failli sortir avec Clarion dès le premier tour, donc bon. Je sais pas si c'était. C'est vrai. Ah non, moi je mens pas, moi. Donc voilà, avec Clarion, on avait galéré, donc on sait très bien que les petits tirages, c'est pas forcément les plus simples. Donc toi, t'aurais mis un gros. Pas forcément. Moi, j'ai dit 9e tour. Moi, je veux qu'on aille au 9e tour. Donc, ouais, si on peut. Donc, faut un tirage favorable. Voilà. Jusqu'au 9e tour. Il n'y a pas de simple tirage pour moi. Ah bon. Je pense que si on arrive au 9e tour, parce que nous, on se projette presque sur le 8e, on te réinvite déjà, puis on aura certainement l'équipe et on aura des projecteurs, des caméras de partout. Un 9e tour, ça commencera à rapporter, Youssef, non? Ce serait pas mal, hein? On va jouer au vélodrome, hein? Ou au parc, comme tu dis. On va parler un petit peu de toi, ta carrière. On t'a déjà eu, on en a déjà parlé, mais il y a de nouveaux jeunes hein, maintenant au club. Tes débuts dans le foot jusqu'à aujourd'hui, Aurélien? Alors, j'ai commencé le foot très tôt, à 3 ans. J'ai fait au moins 3-4 années de débutant. Ensuite, on avait la chance de jouer à Plancy-l'Abbaye. Donc, c'est pas très connu. Mais on avait la chance qu'il y ait des joueurs pros de l'Estac qui venaient à l'attaque à l'époque. Il y en a une. Il y a un clocher. Ouais, du coup, on a eu la chance qu'il y ait des joueurs pros qui venaient nous entraîner le mercredi. Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, je pense que vous connaissez tous Alex Franquet. Et c'est lui qui m'a fait rentrer à l'Estac à l'époque. Et du coup, ça, c'est sûr que quand on a la chance de s'entraîner tous les jours, on progresse forcément. Ensuite, je me suis fait virer de l'Estac, ça faut pas trop le dire. Pour... Alex, on lui dit pas. Si, ça, il l'a su. Hein. Il l'a su, et par une connerie de jeunesse, hein. Ça arrive à tout le monde. Et donc, du coup, j'ai dû rebondir à Plancy. Je suis retourné à Plancy, dans mon club formateur, pendant un an et demi. J'ai fait une demi-saison avec les 15 ans. Et après, j'ai joué tout de suite en senior. J'ai fait triple surclassement. Donc, j'ai commencé à 15 ans et demi en senior. Et donc, ça m'a aguerri parce qu'avant, j'étais trop gentil sur le terrain. Et donc, et surtout, je voulais jouer. Oui, je suis toujours trop gentil, mais bon. Faut pas trop le dire. Maintenant, j'ai pris un peu de gabarit. Mais surtout, je voulais jouer avec mon frère. Et c'était important pour moi de jouer directement en senior. Même si le docteur, il m'avait dit, vous savez, il y en a beaucoup qui ont fait des triples surclassements, mais ils ont été dégoûtés du foot. Mais finalement, non. J'aime trop le foot et j'ai été repéré par Saint-Mémin à 17 ans.
Petit clin d'œil à Stéphane. À Stéphane Sogi, ouais, qui m'a beaucoup appris. Et je le remercie tous les jours. Parce que ouais, c'est un super gars. Et bon, on garde toujours le contact. D'ailleurs, il a mangé chez moi hier soir. Ouais, là, c'était l'anniversaire de ma mère. Ouais, voilà. Ça crée des tensions, ça. Il aime pas Stéphane. Mermoz. Ouais, mais enfin, ton ouais, c'était limite. Non. T'inquiète pas, prochaine fois qu'on est tu nous regardes. Ouais, donc voilà, bah il a su ma... au début il me faisait jouer sur le banc quand j'étais tout petit. Bah si, j'ai fait 2-3 matchs sur le banc, après il m'a fait jouer latéral et j'ai fait une année entière de DHR latéral et après il a vu que je marquais quand même en tant que latéral, du coup il s'est dit je vais peut-être le remonter à son poste et après bah ça s'est enchaîné, on est monté en DH. Ensuite, je suis parti à Cézanne qu'on a joué cet après-midi, donc je connaissais des joueurs aussi. Ensuite, Cézanne, je suis parti à la SSRC. Ensuite, je suis revenu à Saint-Mémin pendant 3 ans. On est reparti de DHR, on est remonté en DH et on a titillé un peu le FCAT jusqu'à la trêve. Ils avaient 7 matchs de retard, mais c'est pas grave. Vous aviez fait un super début de saison en même temps. Oui, on avait fait un super début de saison. Et franchement, bon, c'est... il y avait un peu de chance, mais il y avait aussi beaucoup de... Donc, comme vous avez dit, un bon esprit à Saint-Mémin, du coup, ça aide forcément. Après, dans les moments difficiles, c'était dur aussi parce qu'on a fait, on a eu beaucoup de mal en deuxième partie de saison. Je pense que c'est le match quand on était un peu déçu de voir le RC vous passer devant, on va dire au dernier moment. Alors vu la saison que vous aviez fait, bon, c'est vrai que le RC il n'est pas arrivé là par hasard, mais enfin voilà quoi, c'était un peu. Donc... Le RC qui s'est d'ailleurs qualifié aussi en Coupe de France sur ce sixième tour. Non, c'était en Coupe Grand Est qui sont qualifiés. Excusez-moi. Tu feras gaffe, on les a éliminés. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pas grave. Je laisse continuer. Ouais, c'est bon. Fred, il dit n'importe quoi. Non, mais il avait oublié. Ouais, donc voilà. Continue, ouais. Je sais même plus où j'en étais du coup là, avec ces bêtises. Donc, Saint-Mémin. Ouais, bah Saint-Mémin, c'est mon club de cœur et ça a été très dur pour moi de partir. Bon, il y en a beaucoup qui étaient déçus, mais il y en a beaucoup qui ont cru en moi. Et donc actuellement, je suis content de leur rendre la confiance qu'ils ont eue. Et franchement, il y a un staff super aussi ici. Et on remercie jamais assez le staff qu'il y a, le travail qu'ils font. Dans les backstage et tout. Je fais un peu d'anglais aussi. Après un peu mes études, quand même que je fais des études à côté. Ouais, donc voilà, on va parler un peu de mes études. Mais là, je suis actuellement, je prépare un bac plus 5 en alternance et donc je suis assez fier de ce que je réalise actuellement. Dans quel domaine ? C'est un grade de master en commerce. Je suis à l'école supérieure de commerce de Troyes. Et donc, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais voilà, c'est pour ceux qui connaissent. Et je tiens à dire aussi que Youssef, sans me connaître, il était prêt à m'embaucher chez lui, c'est beau. C'est beau quand même. Et donc ça montrait déjà la confiance qu'on avait en moi. Et donc ça me fait plaisir actuellement de la rendre. On va continuer à parler de toi parce que ta famille te suit beaucoup. Tu as parlé de ton frère, Anthony, avec qui tu as joué pas mal d'années aussi. Hein. Au moins 10 ans. Ouais. Au moins 10 ans. Ouais. C'est un petit peu ton conseiller. Ouais, c'est surtout mon exemple. C'est mon exemple pour moi. Et... Mais bah, tous les jours, on se parle. Et... Ouais, il me conseille beaucoup. Et... Bah, depuis tout petit, il m'a conseillé. Il m'a toujours pris sous son aile. Et... Ouais. Franchement, c'est le premier content, je suis sûr, de me voir marquer. Il est plus heureux que moi que je marque. Donc là, ça me fait plaisir. Et comme vous dites, mes parents, ma sœur, mon grand-père et tout, ils me suivent. Balthazar surtout. Et donc ouais, ça me fait plaisir. Et franchement, rien ne vaut la famille. Et le foot. Et le foot. Dernière question pour moi, je sais pas si t'en as une après. Ça le laisse coacher, merde, ça, mes mains, ils sont plus en Coupe de France. Je viens d'apprendre ça. Mais... Non, mais c'est bien qu'ils soient qualifiés au Coupe du Grand Est, hein, c'est ça. On va pouvoir retomber dessus. Ah, on va les laisser quand même faire des échelons, mais bien sûr, c'est comme Épernay, le plus tard possible dans la compétition. Aujourd'hui, un mot que tu peux passer aux jeunes pour travailler, pour continuer, prendre du plaisir dans le foot au réel. Moi
parce que je suis si vieux que ça. Aux jeunes tout petits ou ceux qui sont dans notre groupe Bah franchement, faut travailler. De 12-13 ans qui viendront devant toi. Faut travailler et surtout faut prendre du plaisir sur le terrain. C'est le plus important. Si t'as du plaisir dans le foot, après tout va tout seul. Et donc pour moi, c'est le plaisir le premier mot qu'il faut prendre en compte, et surtout le sérieux. Parce que le sérieux, ça fait tout. Hein. Moi, j'ai la chance d'être rarement blessé et je pense que je le dois à mon sérieux. Mais pourtant, t'es pas tout le temps sérieux dans le vestiaire. Non, je suis le premier à faire des conneries, mais je veux dire, en dehors, après. Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Bon, après, sur le terrain, je suis trop gentil, comme dit Mermoz. T'es un peu trop sérieux des fois sur le terrain en match ? Peut-être, ouais, peut-être. Bon, après, comme on dit, hein, j'ai mes défauts. Et je travaille dessus, même si c'est pas facile maintenant à 26 ans. Et donc, pour l'instant, je suis content de ce que je réalise. Et franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais aussi haut au foot, et donc pour l'instant là, c'est du pur plaisir. Et plus plaisir. Le plaisir. Fred, non mais j'ai plus rien à dire du coup. J'ai plus rien à dire. Il y a pas une petite question à Aurèle, un petit peu? Non. Okay, bon. Comment tu t'appelles? C'est toi qui avais plus le sien. Oui, c'est pour ça que j'ai cru qu'il allait me poser la question. Ah, pourtant il a toujours un petit truc, mais ouais, là, non, c'est, non, ça non, lui vient pas. Bon, oui, tiens, tu vois, je le connais. Hein. Si tu poursuis avec nous, bon, je pense que si on se maintient en N3, tu vas rester avec nous. Cette fois-ci, tu vas pas partir. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a de fortes chances. À moins que j'ai une offre. À Rennes, voilà. Même pour nettoyer les vestiaires. et vu ton grand âge, est-ce que tu aimerais transmettre ton savoir, je sais pas, t'occuper des équipes de jeunes, oui. Bah, j'ai eu la chance au FC Saint-Humain d'entraîner les U5. Je faisais les entraînements le mercredi après-midi. Donc ça, après les matchs, c'est pas moi qui les faisais parce que je pouvais pas le samedi. Et donc je sais pas, parce que j'ai jamais eu trop la fibre, vous voyez bien, j'ai un peu de mal à parler et tout, donc ouais, c'est donc du coup je sais pas si j'arriverai à transmettre. Mais après en tout cas, lui, je sais que mon frère, lui par contre, il pourrait largement, et je sais qu'il en a envie. Après moi, tous les deux. Oh bah, après on verra. Lui il parlera et moi je ferai marquer les joueurs. Pas try devant le spécifique attaquant. Bon, en tout cas, on passe bien le bonjour. Bah, on les a vus hein, cet après-midi, mais à toute la famille d'Aval, aussi, les parents, le grand-père Balthazar, Anthony qui s'est qualifié au pénalty. Et Steven aussi qui est souvent là, Steven, le petit jeune. Il était là aujourd'hui. Hein, et, ouais, bon, il a pas bu de vin chaud, lui, hein, par contre. C'est encore un petit peu trop jeune. Il est plus grand que moi, mais trop jeune. Bon, on passe au match du week-end prochain avec toi, Fred. Donc on commence par le championnat Excellence U13. Le FCAT 5e reçoit l'Estac, actuel leader au complexe Bianchi, ce samedi à 15h pour la 7e journée. En U15, l'équipe première reçoit l'Entente de Vaux-sur-Blaise-Vassy à Bianchi lors du deuxième tour de la Coupe du Grand Est, ce samedi à 14h30 à la Caille. Les équipes 2 et 3 seront encore en repos. En U17, le FCAT jouera aussi pour le deuxième tour de la Coupe du Grand Est et se déplace sur le terrain de Bettencourt face à Lornel, samedi à 14h30. Ça suffit. Pas de match pour notre réserve U17. En R1, U18 féminine, le FCAT, actuellement dauphine du stade de Reims, se déplace à Montier-en-Der contre l'Alliance de Montier-Est-au-Bois 4e ce samedi à 14h. En UFOLEP, notre formation reçoit l'Espin dimanche à 9h45 à la Caille. En Régional 3, l'équipe 2 première reçoit son poursuivant classement, l'US Mézières Châtres, dimanche à 14h30 au complexe Henri Jacquot, en 7e journée du championnat. Un gros match. Donc on vous attend nombreux pour encourager nos joueurs, hein, bien sûr. Donc cette dernière s'était imposée la semaine dernière 3-1 contre l'SVPO2. L'objectif pour notre équipe est de tenter de se relancer après un match nul assez frustrant contre Ramru. En National 3, le FCAT 5e se déplace au Parc des Sports Michel Platini ce samedi à 16h et affronte la réserve de l'Est Nancy-Lorraine 9e lors de la 7e journée. Notre équipe vient d'enchaîner 2 victoires de rang en championnat et entend poursuivre encore un peu plus sur sa lancée, alors que les Lorrains avaient concédé le nul à Sarreguemines sur le score de 2 partout.
C'était mieux la fin. C'était, ouais, c'était le temps de chauffer. On sentait que c'était mieux là. Ouais. Commence à s'y faire au micro. J'aime bien parce que j'ai des coups d'encouragement, mais bon, en cas ça, on... Bon, je pense que c'est pas mal. On n'a pas grand chose d'autre à rajouter, mis à part ce déplacement à Nancy hein, la semaine prochaine. Il y aura peut-être quelques places dans le bus, Youssef, à nous confirmer. Oui. Attention, hein, réservation quand même à l'avance, hein, qu'on puisse anticiper. Ben, c'est pour ça, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde, donc qu'on soit bien les organisé. Les tickets. Et essayer d'aller faire un gros match là-bas. Fred, merci d'être venu. C'était pas certain pour toi, hein. T'étais en famille, comme tout le monde. On a une vie en dehors du foot et du journal, donc merci d'être venu. Aurel, merci à toi d'être venu. Tu devais amener Cœur de Lion normalement ce soir. Oui, mais Cœur de Lion, il est pareil, il est en repas de famille apparemment. Ah, c'est ça. Du bon, pas trop. Il doit être avec une fille encore. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu, Sylvain. Ce sera pour une prochaine. Merci à toi, Youssef, d'avoir participé au journal. Merci à Mermoz qui est juste derrière, et puis à Pierre derrière la caméra, ainsi qu'à Dylan qui prépare tous Krabi. Les textes. C'est Krabi. Ouais, c'est ah, ça. Bah merci Krabi. C'est lui qui prépare tous les textes pour Fred. Hein. C'est beau. Voilà, c'est pas mal. Il y a quelques fautes quand même dans le texte, mais Fred arrive à déchiffrer. Hein, ah, ça explique pourquoi il a un bac plus 5, c'est ça. Bac plus 5 en commerce. En commerce. Pas oui. En français. Bon, encore merci à toi, le buteur du jour. 2-0 face à Cézanne. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi sur la page Facebook. Pour le tirage au sort qui se déroule à Paris. Hein. C'est Mermoz et puis Youssef qui nous tiendront bien sûr au courant du tirage. Donc, on vous en informe dès que c'est fait. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau journal. Bonne semaine à tous. Salut. Salut.